c'est un château de la fin du XIIe siècle qui probablement a été construit par Robert Ier de Dreux, le premier seigneur de Brie. Donc depuis 1982, juillet 1982, on a fouillé tout le temps, sans interruption. Les visiteurs peuvent voir ici, en visite libre, tous les objets qu'on a trouvés et puis comprendre comment était organisé le château au Moyen-Âge. On a toujours eu, depuis le début, un souci d'intégrer la pédagogie à notre projet. On accueille régulièrement des enfants, et ça depuis 1985 environ, sous forme d'ateliers patrimoine, de stages patrimoine, sur un jour, sur deux jours, sur cinq jours. Et on a toujours le souci de partager nos connaissances. L'accès au château et à l'exposition d'objets médiévaux qui l'abritent est gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'Association des Amis du Château de Brie-Comte-Robert.